Hey, salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour vous présenter la maison de mes rêves, donc encore une que j'ai créée. Vous pouvez retrouver sur la chaîne facilement dans les playlists les autres que j'ai faites si jamais ça vous intéresse. Donc, tout simplement, là, j'ai décidé de faire une piscine surélevée. Voilà, c'était un petit peu la question que je me posais. J'avais regardé un petit peu sur internet comment faire. C'était assez complexe, mais là, du coup, vous avez quelque chose d'assez magnifique. J'ai mis pas mal de temps à le faire, donc là vous avez à gauche, comme vous pouvez voir, une petite remontée, vous avez les marches au milieu, vous avez ici, on peut s'allonger, on est un petit peu immergé dans l'eau, tout autour, ce que vous voyez en noir, ce sont des lumières, voilà, ici on a des petites douches où on peut se mettre en dessous directement, donc elle est transparente comme vous pouvez le voir, ici on peut donc s'asseoir là et en même temps mettre ses bras sur sur ce qu'il y a devant comme repose pour pouvoir manger quelque chose ou autre. On a donc ici les petites douches, là ici on en a encore d'autres, voilà, petite lumière ici tout le long, voilà que j'ai essayé de faire quelque chose quand même d'assez propre. Donc faut s'imaginer pour vraiment s'immerger dans la scène, on est juste ici, voilà, tranquillement, donc on monte à l'étage et là on ouvre, donc double clic, tac, et là c'est magnifique. Voilà, je suis vraiment content de moi, j'ai mis pas mal de temps à la faire. Donc j'espère que ça vous plaira. Après, on va regarder évidemment d'autres choses en détail. Là, c'est juste une petite présentation du truc le plus intéressant en premier, on va dire. Donc là, évidemment, il y a une deuxième piscine à côté. C'est pour ça qu'on voit la limite ici. Mais il faut partir du principe que dans la réalité, il n'y aurait pas de coupure. Vous êtes d'accord avec moi? Il faut un petit peu faire jouer son imagination. Et voilà, du coup là on est assez stylé, voilà, on peut refermer comme ça, donc ça rend quand même plutôt bien je trouve. Alors si vous voulez savoir comment j'ai fait, bah c'était assez simple, en fait il fallait se mettre au deuxième étage et puis créer une piscine en partant du mur. Après j'ai mis des petits pylônes en dessous pour pouvoir soutenir, parce que dans la réalité c'est ce qu'il y aurait. Ensuite on va avoir quelques lumières à gauche à droite, on va avoir en dessous le garage souterrain. Grâce à un youtubeur que j'ai trouvé sur internet, je vous mets le nom de sa chaîne qui s'affiche maintenant. Et donc il m'a montré comment faire le souterrain. Donc j'espère qu'il verra cette vidéo, parce que bah, c'est grâce à lui que j'ai trouvé comment faire le souterrain. Enfin voilà, j'ai suivi son tuto, l'une des rares personnes à faire des tutos qualitatifs sur Cozy Casa. Donc voilà, je tenais à le citer, vous verrez donc son nom de chaîne, tout simplement. Alors après, on peut donc redescendre tranquillement et aller au niveau du rez-de-chaussée. Donc là, partez bien du principe que... alors, on va un peu se remonter. Donc là, partez du principe, voilà, on voit donc comme ça, faut s'imaginer. Donc c'est quand même un petit peu un bijou, moi je trouve, c'est vraiment magnifique. Je suis assez fier de la conception du truc. On peut voir en dessous, ici, alors que quand on est au-dessus, on ne voit pas le dessous. Je parle de cette deuxième piscine. Donc là, les poteaux sont légèrement immergés, on peut le voir ici aussi. Là, ce qu'il y a par terre, on pourrait se demander, ce sont des... Donc là, on descend à notre parking, on a des barres antidérapantes de chaque côté. Ici, c'est des barres LED. Donc, pour la petite astuce, bah, il suffit de prendre une forme paramétrable, puis après de trouver une image de LED sur Internet et de l'insérer. Ça fait quelque chose d'assez propre, en tout cas, c'est mon avis à moi. J'espère que vous aimerez vous aussi le petit portail quand on arrive. Voilà, assez sympatoche. Ensuite, on va avoir le petit coin détente avec les canapés, le fait de pouvoir se poser là-dessus tranquillement. Voilà. La maison à l'intérieur n'est pas faite parce que vous pouvez retrouver sur la chaîne une maison qui est entièrement faite à l'intérieur, qui est vraiment bossée sur plus de 50 heures. Donc, je vous conseille plus d'aller voir ça si vous voulez voir vraiment l'intérieur. Là, ici, c'est plus l'extérieur qui tue vraiment. Enfin, en tout cas, moi, je trouve qu'il tue. Donc, c'est déjà pas mal si je suis content de moi. Donc, après, si on se met en 3D ici, bah voilà, donc ça supprime le haut. On peut un petit peu voir comment ça a été placé. Ça, c'est des lumières que j'ai agrandies, par exemple, si vous voulez savoir. Voilà, quelques arbres et tout. Ça prend pas mal de temps, rien que pour les poteaux, par exemple. Pour ceux qui connaissent, pour les poteaux, bah, on va par exemple déplacer le poteau pour pouvoir être à côté de l'autre. Le poteau va descendre de hauteur et remonter d'un coup. Donc après, il faut se retaper à chaque fois la hauteur personnalisée pour vraiment que ça fasse quelque chose de propre. Donc là, voilà, petite baraque sympa. Voilà, j'espère que vraiment c'est le genre de construction
que vous attendiez. Voilà, moi en tout cas je l'ai fait avec le cœur. N'hésitez pas à aller voir la chaîne si vous voulez voir d'autres playlists. N'hésitez pas à aller voir la chaîne du youtubeur que je vous ai parlé juste avant, qui explique beaucoup de tutos sur Cozy Casa. Et puis bah moi je vous laisse et je vous dis bye.